garantir la victoire du président. Je dis bien garantir la victoire du président. Ici, nous ne sommes plus dans le probant. Nous sommes dans le probant. C'est-à-dire, on doit garantir la victoire. En d'autres termes, quelle est l'attitude que chacun de nous doit avoir depuis la convention jusqu'à octobre 2025 pour proclamer la victoire. Si vous n'avez pas une posture qui va nous permettre de nous propulser, vous avez fait cette formation gratuitement. Et si vous êtes bien formé, que vous avez une posture, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas organisé, vous pouvez perdre votre leadership, vous pouvez perdre votre avance sur votre adversaire. Mon intervention sera sanctuée par trois moments. La formation, la posture et puis l'organisation. Qu'est-ce qu'un militant formé? Qu'est-ce qu'un militant bien formé? On ne va pas rentrer dans les définitions théoriques. J'ai quelques caractéristiques que je vous propose. Ce qu'un militant formé doit avoir comme caractéristique, premièrement la loyauté. La loyauté est une vertu cardinale. Un militant loyal, c'est celui qui ne doute pas de ce que son parti dit et de ce que son candidat dit. Après, on va revenir dessus. Le militant doit rester fidèle à son candidat en toutes circonstances. Je dis bien en toutes circonstances. Il ne s'agit pas de douter un seul moment de la posture du candidat. Deuxième mot, un militant doit avoir la flexibilité pour vertu. Un militant, c'est un dragueur. Et il est dans la population et il doit draguer cette population pour que le jour de l'élection, les éléments dragués puissent aller voter. Si tu n'es pas souple, tu ne peux pas faire ce travail. Certains de nos camarades croient que c'est le fait qu'on dise qu'ils sont les militants de première heure dans les zones, qu'on dit qu'ils sont bien. Je ferai le tour de la Baboué, j'arrive dans un village. Il y a quelques années, un militant me prend le micro pendant que tout le village est en meeting et me dit « Moi, je suis le seul militant de Bako ici dans le village. » Après mon exil, je repars, je fais tourner, le même prend le micro, il dit « Lui, il est le seul militant. » J'ai pris le micro, je l'ai destitué. Je dis « Ça veut dire que tu ne peux rien nous apporter. » Et puis on a mis une équipe dans le village pour travailler. Vous avez beaucoup de responsables de sections, de comités de base là. Ils sont là, ils croient que c'est le petit cercle d'amis entre eux. C'est ça qui est là. Et puis bon, le monde dit que vous avez un peu. Non. Allez vers les gens. Allez vers vos adversaires. Les gens qui sont découragés, allez vers eux. Beaucoup sont découragés par la gouvernance Ouattara. Ouvrez. Allez vers eux. Parlez-leur. C'est ça la flexibilité. C'est ça l'ouverture. Troisième caractéristique, la régularité. Vous avez une catégorie de militants qui sont, quand ça chauffe, on ne les voit plus. Mais quand ils sentent qu'on vient vers le pouvoir, ils apparaissent. Et il vient dire le bon mot. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'êtes pas un militant. La régularité, la participation aux activités au quotidien, être présent en réunion, payer sa cotisation, faire tout ce que le parti te demande. On dit de venir faire la formation. On ne les voit pas. C'est eux qui trouvent toujours des arguments. Ah, ce jour-là, je suis dans tel point. Ce jour-là, dans tel point. Mais quand il va voir qu'on est à une semaine de la victoire, il va venir, ça c'est pas l'attitude des militants. La proactivité et la spontanéité. Un militant n'attend pas que les choses lui tombent sur la tête. Vous ne pouvez pas être passif. Quand il y a une situation, le militant réagit, mais en respectant la hiérarchie. Comme on est dans l'actualité, il y a quelques jours, ils ont déblayé l'abattoir. L'abattoir de Pongoué, et puis ils ont cassé les maisons qui sont derrière, les habitants des gens, ils ont tout nettoyé. Je cherchais le secrétaire général pour que le parti fasse une réaction de soutien. Quand le fédéral de Pongoué m'a appelé, il dit « Ah, SGA, je veux faire une déclaration. » J'ai dit « Fais là. » En attendant que j'aie le secrétaire général. Comme ça, quand le parti doit faire une sortie après, au moins le fédéral a déjà fait l'état des lieux. C'est ça la proactivité. Certains de nos camarades pleurnichent devant les situations. Quand il y a une situation, faites ce que vous devez faire. Faites ce que vous devez faire. Un militant prend toujours son destin et le destin du parti en main dans la zone où il milite. Le courage et la résilience. Oh,
Peter vient de donner des exemples de courage des résidents du président. On n'a pas besoin de maintenir les temps, malgré les tempêtes, les tentations, les intimidations, les difficultés. Dans la vie, là, on ne doit pas vous faire douter, vous faire dévier. C'est ça, le courage et la résilience. Le courage, ce n'est pas, beaucoup se trompent, ce n'est pas d'aller chercher à aller en prison pour dire qu'on est courageux. C'est pas ça. Moi, j'entends ça beaucoup. Un militant, ils sont tous là. Personne ne cherche volontairement à aller en prison. C'est la prison qui vient te chercher. Donc, les militants qui cherchent la prison pour avoir des étoiles, c'est pas ça le courage. Ça même, c'est la capitulation. Parce que tu veux aller te cacher. Mais en te cachant, tu ne sais pas ce que tu peux avoir là-bas quand à la sortie. Hein, les gens là, le militant fait son militantisme. Si le hasard l'amène en prison, il assume la prison. Mais le courage et la résilience sont des vertus qui sont indispensables à un militant qui est formé. Sixièmement, la discipline. Ah, la discipline. Si nous sommes d'accord qu'un militaire est un militaire, vous savez qu'un militaire existe dans l'armée et l'armée est disciplinée. Donc les partis politiques sont pour nous une armée civile dans laquelle on doit être discipliné. Ce qu'on constate au niveau de PACI, il y a trop de discipline. Il y a trop de discipline. Les gens se mettent sur les réseaux sociaux, ils font ce que la direction ne leur demande pas de faire. Tu peux pas faire ça. Il y a des fois où tu as envie de faire quelque chose, mais ce n'est pas la ligne de la direction. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Si on n'est pas discipliné, si on n'est pas, on ne respecte pas les décisions, les textes que nous-mêmes nous sommes donnés, et si chacun joue comme il peut jouer, chacun joue, il va forcément déjouer. Et quand vous déjouez, c'est une cacophonie. Et quand il y a une cacophonie, il y a une anarchie. Et quand il y a une anarchie, il n'y a plus de l'ordre. La discipline entraîne l'ordre. L'ordre nous amène vers la victoire. La victoire, c'est ça que nous cherchons. Donc la discipline est aussi une valeur. L'intégrité morale et la probité. C'est ça que la Boudraman, au FBI, qui nous disait, un militant du Front Populaire Ivoirien doit faire envie plutôt que de faire pitié. C'est fondamental, c'est profond. Les camarades, dans les mythes des bases, les propositions, la campagne de Yopoumon, la campagne municipale pour être dans l'actualité, et de nos militants, dont j'étais le nom, il est dans les réseaux sociaux communiques. Je l'appelle, j'ai dit, mais je vais à Yopoumon, quand j'étais Michel en campagne, je vais aller te rencontrer pour eux. Et puis j'entends du bruit dans son téléphone. Ah, plutôt que. J'ai dit, mais tu es où? Il dit, ah, oui, vraiment. Vrai, la voix claire, ma bébé, je suis au meeting de. J'ai dit, mais tu te vois là-bas? Il me donne le jeton. J'ai dit, mais. Il vous donne combien? Il dit, chaque meeting, quand ils sont là, ils donnent 50 000. Son grand frère, il donne 50 000. Tu lui as dit, c'est 50 000 qui te permettent d'aller, tu abandonnes ton candidat parce qu'il n'a pas l'argent de te donner. Et puis, il dit, ah, vraiment, quand on va finir la campagne, on va revenir au militantisme vrai. Ça, c'est le prototype du militant dont il faut avoir peur. Parce que ce genre de militants qui viennent faire vos réunions avec vous, et puis comme ils manquent d'argent, ils sortent et puis ils s'en vont monnayer ce qu'ils ont appris de vous, et puis on leur donne l'argent. Et puis bon, vous les comptez comme vos militants. Ça, il faut laisser. Une autre valeur, le désintérêt. Le désintérêt. Seul intérêt d'un militant bien formé, le seul intérêt d'un militant bien formé, c'est la victoire de son candidat. C'est-à-dire quand il se lève matin, c'est la victoire de son candidat. Le désintérêt, c'est le travail comme bénévolat, comme bénévole. Le travail comme bénévole. Bénévole, en latin, veut dire bénévolus, qui veut dire bienveillant, c'est-à-dire sans intérêt, sans contrepartie. Vous faites un travail gratuitement, sans arrière-pensée. On ne doit pas me payer pour ce que je fais. Or, ce qu'on constate, et ça me fait mal quand dans un parti de gauche comme le nôtre,
on va à des élections et puis des camarades là, ils bloquent les procès verbaux le jour des élections parce qu'on leur a pas donné leur papier. Mais comment on peut gagner une élection avec ça? Une journée pour ton parti, tu t'es battu durant 5 ans pour une journée. La journée arrive, le parti t'envoie en mission et puis tu finis. Le candidat attend les procès verbaux et puis tu dis tant qu'on t'a pas donné tes 10 000, toi tu ne donnes pas ce papier. Mais tu n'es pas un militant. Tu n'es pas un militant. Ici, là, qui n'a jamais fait une journée sans manger? Il y a des gens, même ici, il y a des gens qui sont jeunes. Un jour, de 8h jusqu'à 18h. Et puis tu dis, tu ne peux pas donner ce papier parce qu'on ne t'a pas payé. Donc le désintérêt est une valeur. Le désintérêt est une valeur. L'engagement. Un militant doit être un militant engagé s'il est formé. Un militant qui est engagé, c'est-à-dire qu'il prête serment. C'est comme ça que je mesure l'engagement. Tu prêtes serment. Or, prêter serment, c'est quoi? C'est prendre l'engagement devant ta communauté militante que je ferai tout pour exercer ou exécuter ce que le parti me donne comme consigne. Et tu es dedans et tu le fais avec toutes tes forces physiques et tes forces mentales, morales, etc. etc. Enfin, la détermination. Un militant déterminé est un militant résolu. Il est acharné, il est énergique. Un militant qui a de la faiblesse, de l'hésitation, c'est pas un militant qui a de la... il est perplexe, il est indécis. N'est pas un militant engagé. N'est pas un militant engagé. Chers amis, je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les caractéristiques d'un militant, mais avec ces quelques mots, on peut penser que vous pourrez continuer la formation en augmentant les mots. Il y a tellement de valeur des militants. Donc, un militant bien formé doit avoir une posture. 32 noms, posture et imposture. Pour bien comprendre la posture, il faut que je vous dise deux mots sur l'imposture. L'imposture, de mon point de vue, c'est le militant qui fait le double jeu. Il fait semblant. Il est hypocrite. Il est dans la tromperie, il est dans l'escroquerie, il est dans la farce, il est dans la mystification. C'est-à-dire, tous ces mots-là, vous les connaissez, vous voyez ça dans vos bases. Il y a des gens qui sont là, ils vont venir jouer l'hypocrite avec toi. Et puis, il te regarde, il fait comme s'il est dans, il fait le travail du parti, mais il est ailleurs. Les farces, tout ce que vous voyez comme mauvais comportement, c'est ce qu'on appelle l'imposture, qui est différent de la posture. La posture, c'est l'attitude, la constance, le maintien, la position ou la station d'une personne. La station d'une personne. Demander la posture d'un candidat, c'est demander comment se porte et se comporte le militant. Demander la posture d'un militant, c'est comment il se porte et il se comporte. La conduite d'un militant, il y a une différence entre la conduite et le comportement. Donc, si le militant, il a une bonne posture, c'est que dans sa tête, comme il est formé, tu vas voir que la posture, dans cette posture, il aura ce qu'on appelle la culture de la gagne. C'est ça la posture qu'on doit avoir. Une fois qu'on est formé, il faut qu'on ait la culture de la gagne. Qu'est-ce que la culture de la gagne? Celui qui est formé et qui n'a même pas en tête que tu dois gagner une élection, ça ne sert à rien. Comment on cultive la gagne, l'esprit de la gagne? Si vous êtes formé, que vous avez la culture de la gagne, que vous avez l'intérêt pour le candidat de gagner, et que vous excluez la défaite dans votre vocabulaire, dans votre comportement et dans votre conduite, vous vous donnez les chances d'aller vers la victoire. Mais alors là, il faut être organisé. 33, l'organisation. On n'a pas les moyens, il nous faut nous organiser. Nous organiser là. Ce n'est pas la propagande, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas le populisme. Nous organiser, c'est rendre scientifique la lutte. Vous parlez du socialisme scientifique, je vais lui emprunter ce mot-là. C'est rendre scientifique et rationnel nos capacités humaines, nos capacités intellectuelles. L'organisation, elle ne va pas se faire de façon extra-partie. Elle va se faire à l'intérieur du parti.
toutes nos structures. Premièrement, l'implication des structures de base, fédération, section, comité de base, dans l'organisation de la campagne. Quelques notions que les fédéraux savent, parce que les secrétaires généraux de base, que je leur dis au quotidien, des aptitudes que vous devez avoir dans vos bases. Avoir des bureaux qui fonctionnent. La fédération, les fédérations doivent avoir des bureaux qui fonctionnent. Les sections doivent avoir des bureaux qui fonctionnent. Les comités de base doivent avoir des bureaux qui fonctionnent. Faire le maillage du territoire fédéral, donc des territoires fédéraux. Faire le maillage, c'est-à-dire, il faut être partout comme des fourmis pour attraper les électeurs partout comme des fourmis. Bien entendu, il faut établir des fichiers électoraux, les fichiers de nos militants, dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Il faut qu'on sache qui sont ceux qui sont susceptibles de nous voter, qui sont ceux qui ne sont pas susceptibles de nous voter. Quand on a ces statistiques, ça permet à la direction d'avoir une lucidité dans telle ou telle fédération. Être à l'écoute des populations, c'est très important pour nous dans la base. Tu vois, ce n'est pas forcément l'argent qu'on donne à un militant. Mais quand il y a un problème, il vient vers le responsable et puis il prend du temps pour l'écouter, ça soulage. Ça soulage. Connaître les forces et les faiblesses de l'adversaire dans la zone qu'on dirige. Il y a des gens dans le coin, on leur dit, mais est-ce que tu sais à peu près qui sont tes adversaires là-bas? Est-ce que tu les rencontres? Est-ce que vous jugez? Ah! Deuxième niveau d'implication, c'est nos structures spécialisées. La Ligue des Jeunes et puis la Ligue des Femmes. Camarades, on ne gagnera pas l'élection si les jeunes ne se lèvent pas. Si les femmes ne se lèvent pas.